Salut, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on voit quelque chose de très pratique, de pas cher, que tout le monde devrait avoir. Je parle bien entendu du strap. Allez, avant d'attaquer, petite info, si vous n'êtes pas abonné, le nouveau vélo tout-terrain est dans les kiosques, le premier de cette année. Allez, bonne lecture. Première question que certains se posent certainement, c'est quoi un strap? Rien de très compliqué. C'est ni plus ni moins qu'un ruban avec un velcro, un scratch. Sur le marché, vous pouvez trouver plein de modèles différents. Ça va du plus simple ou un peu plus complexe, on va dire avec plus d'options. On peut prendre par exemple le cas de notre Zephal, le Universal Tube Strap qui présente un deuxième velcro à l'intérieur pour maintenir notre chambre à air et un emplacement spécifique pour les deux démontes pneus qui sont d'ailleurs livrés avec et ça c'est plutôt cool. Si on parle prix, on l'a dit, c'est pas cher. Notre modèle, c'est environ une dizaine d'euros. Après, ça peut monter à 25-30 euros au maximum. Deuxième question que l'on peut se poser, pourquoi avoir un strap? Ça va vous permettre de laisser votre sac à dos à la maison. Et rouler sans sac à dos, c'est plus d'agilité et plus d'aisance sur votre vélo pour profiter et faciliter vos gestes techniques vus dans les tutos pilotage, hein, n'est-ce pas? Deuxième point sympa, c'est que l'été, vous allez avoir un petit peu moins chaud. En ce moment, on n'est pas trop embêté, quoique. Et surtout, le dernier point ultra important, c'est que vous allez avoir toujours votre kit de survie pour réparer à n'importe quelle situation sur vous. Ou enfin, sur votre vélo. Assis, bien entendu, que vous ayez un bidon d'eau à proximité. Ça peut être utile. Oulala, attendez, je n'ai pas terminé. Je vous vois tous là vous exciter en commentaire. Les porteurs de sacs à dos qui ne veulent pas le laisser à la maison et qui aiment rouler avec. Pour vous aussi, c'est utile le strap. Pourquoi ? Premièrement, car je pense à votre dos. Car tout le poids que vous avez dans votre strap, c'est du poids en moins dans votre sac à dos. Ok, vous allez me dire, c'est pas très lourd. Mais ça, plus ça, plus ça. Et c'est votre dos qui ramasse. Deuxième point positif, c'est que ce poids, il vaut mieux qu'il soit le plus bas possible afin de abaisser son centre de gravité. Donc sur le vélo, ce sera plus intéressant que dans son sac à dos. Et vous allez voir, ça va vous faciliter dans pas mal de gestes techniques. Ça facilite le pilotage. Et troisième point intéressant, ok, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, plus pour les têtes en l'air, ou pour moi, c'est que vos outils, ils seront déjà sur le vélo, donc ça vous évitera de les oublier. Et vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre strap? Ça peut aller des choses les plus classiques, comme une chambre à air et ses démonte-pneus, sans surprise, aux choses les plus inattendues. On a souvent vu en station des bananes ou carrément le sandwich, le ravito pour le midi. Mais on le voit un peu moins souvent, c'est osé. Hein, bon, si on revient à la partie outillage, on peut vraiment mettre tous les kits de réparation. Tout ce qui nous permet de réparer le vélo sur le bord du chemin. Ça va des kits de réparation classiques, donc on l'a dit, chambre à air, démonte pneus. Ça peut être une pompe ou bien de cartouches de CO2. D'un multi-outil, ensuite d'un patch de réparation en cas de perforation d'un pneu, même si je vous avoue que je ne l'ai vraiment pas souvent. Je fais quand même confiance à mes carcasses montées sur mes pneus, souvent je suis en super trail ou super gravity pour du Schwalbe. Ça reste très solide, donc pas trop de risques. D'un kit de mèche ou bien d'une barre en cas de coup dur. La liste reste assez longue, vous comprendrez bien que dans un seul strap, ça pourrait être compliqué. On pourrait pourquoi pas en mettre deux, si on a la place sur notre vélo. Mais moi, j'ai fait le choix de mettre quelques outils intégrés. Comme ça, ça prend pas trop de place, c'est encore plus facile à sortir. Comme le kit de mèche à l'intérieur de mon guidon. Les cartouches de CO2 ainsi qu'une pompe de l'autre côté au niveau de mon porte-bidon. Comme ça, tout le reste, je le mets sur mon strap, donc chambre à air, démonte pneus, mon petit patch et le multi-outil. Et la barre, je la mets dans la poche, comme ça, elle reste au chaud. Et si vous avez bien suivi, il manque une chose essentielle, c'est une attache rapide.
Là, j'ai un petit tips pour vous, car on est d'accord, c'est très petit, on a vite fait de le perdre. Moi, ce que je fais, je le scotche à l'aide d'un scotch d'électricien, juste sur le rail de ma tige de selle, ou je peux le mettre sur mon multi-outil. Comme ça, c'est toujours sur mon vélo. Une fois que vous avez établi vos besoins et que vous avez sélectionné les équipements à mettre dans votre strap, on a quand même quelques conseils à vous apporter pour bien les ranger. Notre premier conseil, vous allez voir, c'est assez logique. Ça concerne la chambre à air. Il faut qu'elle prenne le moins de place possible. Donc bien entendu, si vous utilisez une chambre à air qui a déjà servi, veillez à bien retirer l'air. Et deuxième astuce, vous pouvez utiliser soit un élastique, soit un morceau de chambre à air découpé, usagé de préférence, pour la maintenir. Comme ça, on est sûr qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Et puis attention, c'est pour du dépannage. Donc inutile de prendre la chambre à air la plus renforcée, la plus grosse qu'il existe. Ça prendra moins de place. Notre deuxième conseil, sans doute le plus important pour moi, dès que vous allez utiliser des objets métalliques durs, comme une pompe, la cartouche de CO2, votre multi-outil, attention à ce qu'il soit bien espacé du cadre, qu'il y ait suffisamment d'éloignement avec celui-ci pour éviter de le ruiner entre les vibrations, les chocs, et c'est vite le carnage. Autre point important dû à ces vibrations, ces chocs, c'est de ne pas perdre votre matériel dans la forêt sans que vous en aperceviez. C'est pourquoi mon multi-outil, je le mets à l'intérieur de ma chambre à air. Comme ça, il est bien maintenu, je sais où il est et aussi, il ne risque pas d'abîmer mon cadre. Bon, après, c'est sûr, c'est pas le plus rapide pour aller le chercher. Après, il me reste toujours la solution d'acheter des outils intégrés, beaucoup plus rapides à attraper, mais bien plus chers. Il nous reste une question essentielle pour tout savoir sur les straps, où les positionner et comment les positionner sur notre vélo. Et là, il n'y a pas forcément de réponse à cette question. C'est logique, car tous les vélos sont différents, autant par la forme, par la taille, ça peut être plus ou moins facile à installer. Regardez mon semi-rigide, mon Rosco, je veux dire, il y a beaucoup de place. Après, sur une taille XS, tout suspendu, sur un vélo assistance électrique, ça peut être beaucoup plus compliqué de le positionner. Bon, après, si vous avez la chance, comme nous, sur notre Trek Top Fuel, d'avoir une boîte à outils, là, clairement, le strap, je pourrais presque m'en passer, à part si je veux une chambre à air un petit peu solide. Moi, c'est ce que je fais. Cela dit, on a quelques conseils à vous apporter. Premièrement, essayez d'avoir votre strap avec plusieurs points de contact, au moins deux tubes, pour qu'il soit bien calé. Ça évitera qu'il tourne dans tous les sens ou qu'il glisse. Ensuite, quand c'est possible, veillez à ce que votre strap soit le plus à l'abri des salissures possibles, comme de la boue, ça évitera de tout pourrir. Enfin, de pas trop le pourrir. Si vous êtes en tout suspendu, attention à ne pas gêner le bon fonctionnement de votre suspension. Pour le vérifier, vous pouvez enlever l'air de votre amortisseur et faire jouer votre suspension arrière afin de voir que tout fonctionne bien. Et le dernier point pratique, veillez à ce que votre gourde reste accessible. Pour boire sur le vélo, ça sera beaucoup plus pratique. Mais ça passe juste avec le gros bidon. On finit par quelques derniers conseils. Premièrement, pour les personnes qui ont du mal à équiper leur vélo par manque de place, vous pouvez toujours essayer de le mettre sur le devant de votre tube de selle, même s'il y a de très grandes probabilités que ça glisse. Il faut essayer. Vous pouvez essayer également derrière la selle. Là, ça tient très bien, mais vous allez en mettre plein de boue dès qu'il va pleuvoir. Peut-être une sacoche de selle est plus adaptée. Attention au bon fonctionnement de votre tige de selle télescopique et de votre suspension en cas de talonnage. On l'a dit brièvement tout à l'heure, attention à votre cadre, de ne pas l'abîmer bêtement. De la boue, de la salissure peuvent vite se mettre à l'intérieur du strap et avec des frottements, abîmer votre vélo. Ou carrément, un outil qui tourne, on n'y fait pas attention et crac. Donc on vous conseille vivement de protéger votre cadre avec du film de protection à l'endroit où vous allez positionner votre strap. Et pour finir, dernier conseil de cette vidéo, on vous conseille vivement de retirer votre strap du vélo pour le nettoyer, autant pour retirer toute trace de salissure, d'impureté à l'intérieur, éviter les mauvaises surprises,
ou éviter que votre strap soit humide et qu'il ne sèche pas. Allez, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous sera utile. Dites-moi ça en commentaire ainsi que tout autre tips avisé. On est curieux de lire ça. Pensez à mettre des pouces en l'air si vous avez kiffé, de partager à tous vos potes et potes qui roulent, qui soudent. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si tu découvres cette chaîne grâce à cette vidéo et que tu veux en voir plus. Et surtout, pensez à aller faire du vélo. Bonne semaine à tous. Ciao !